Les bénéfices de la médiation. Les bénéfices de la médiation en 3 minutes, ça va être compliqué parce que les bénéfices sont très très nombreux. On va cibler les plus essentiels, en tout cas dans ma pratique à moi. Premier avantage, premier bénéfice, la rapidité. Ça signifie quoi? Ça signifie que très fréquemment, un DRH m'appelle pour une situation conflictuelle, qu'il s'agisse d'une organisation privée ou d'une organisation publique, et dans la semaine, on met en place le processus de médiation avec les entretiens individuels et la réunion plénière. C'est ça la rapidité. Qui dit rapidité dit évidemment gain de temps et gain d'énergie. Une situation conflictuelle pour un DRH, c'est quelque chose qui est coûteux psychiquement. Et donc l'intérêt de la médiation, c'est de permettre justement et aux protagonistes qui sont en conflit et au mandant qui peut être par exemple un DRH, d'être soulagé de ce poids dans ce délai extrêmement rapide qui peut être le délai d'une semaine quand un procès, lui, vous conduirait à cheminer pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans.